Bonjour à Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Click and Vote 2022. Nous commencerons d'ici 5 minutes, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous voyez bien l'écran et si vous entendez. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent, donc c'est top. On commencera dans une petite minute. On laisse encore un peu de temps pour à tout le monde arriver. Bonjour Vincent. Bonjour Alexis. C'est normal, on va commencer d'ici une ou deux petites minutes.
Alors, je pense qu'on va pouvoir démarrer. L'idée donc de ce webinaire, dont tout d'abord merci à tous d'être présents aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là. C'est un webinaire donc à destination des propriétaires particuliers, donc c'est pour ça que vous avez tous reçu cette petite invitation. Et le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse vous présenter l'algorithme Click & Boat qui va vous aider justement à pouvoir en fait être bien référencé sur la plateforme et donc à augmenter vos revenus. Donc ça va être le thème principal du jour. Donc avant qu'on commence, je voulais vous dire que vous aurez accès à cette présentation par la suite. Donc on vous enverra un petit replay. Comme ça, si vous arrivez en retard ou si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin, pas de souci, on vous enverra tout ça. Vous avez, comme vous l'avez vu, la petite boîte de chat. Donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions tout au long du webinaire. Avec mes collègues, on prendra le temps de bien noter toutes les questions et on fera une petite session de questions-réponses à la fin de la présentation. Après, pareil, si vous avez besoin d'aller plus loin sur certains sujets, surtout n'hésitez pas à la fin de cette présentation à prendre contact avec votre account manager et on verra tout ça en détail. Donc, on va commencer. Alors, avant qu'on parle du sujet principal du jour, je voulais vous présenter un peu l'équipe que vous alliez voir aujourd'hui pendant ce webinaire. Donc, pour commencer, moi, je suis Mélissa. Donc, j'ai vu que certaines personnes d'entre vous me connaissent, notamment Jean-Luc que j'ai vu passer, Jean-Paul, Frédéric, on s'est déjà eu souvent au téléphone. Je suis Account Manager France et je m'occupe surtout de la zone du Morbihan et de la Corse. Donc, ravie de pouvoir tous vous avoir aujourd'hui ici. J'espère que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on aura l'occasion de se parler plus tard. Et pour ceux qui me connaissent, merci d'être présent. Je vais passer la main à mon collègue Pierre Benoît qui est également présent aujourd'hui. Il va se présenter. Merci beaucoup. Merci d'être présent. J'en ai également reconnu quelques-uns. Du coup, donc moi, c'est Pierre Benoît et j'ai à charge à date donc l'Hérault et la Charente-Maritime principalement. Et aussi, encore merci à tous de participer aujourd'hui à ce webinaire et puis on sera présent pour répondre à toutes vos questions. Et je vais passer la main maintenant à ma collègue Océane. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc moi, je suis Océane, je suis responsable du Var, du Finistère et des Pyrénées-Orientales chez Click & Boat. Et pour ceux qui me posent souvent la question au téléphone et que je reconnais aussi dans le chat, non, je n'ai pas été embauchée uniquement pour mon prénom. Merci à tous les deux pour votre présentation. On espère en tout cas que vous pourrez noter toutes les questions possibles et qu'on répondra à tout ça à la fin. Donc, pour une petite explication, Père Benoît et Océane se feront un plaisir de répondre à vos questions en fin de présentation. Et quant à moi, je vais justement vous présenter le sujet du jour. Alors, pour commencer, à l'ordre du jour aujourd'hui, qu'allons-nous voir ? Donc, le but, dans un premier temps, c'est qu'on donne une petite définition de ce qu'est l'algorithme Click & Boat. Donc, certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui sont là depuis plusieurs années, donc ils savent à peu près comment ça fonctionne. Certains d'entre vous sont nouvellement propriétaires. Donc là, l'idée de ce webinaire, c'est que ça puisse servir à tout le monde. On va rentrer un peu dans les détails pour que vous puissiez à tous améliorer justement votre référencement sur la plateforme. Donc, on verra une petite définition et l'avantage que vous avez à travailler avec l'algorithme Click & Boat. Ensuite, on fera un point un peu plus concret sur comment influencer de votre côté en tant que propriétaire l'algorithme Click & Boat. On parlera notamment du taux de requête, du taux d'acceptation et du taux d'annulation que vous pouvez travailler vous de votre côté. Donc ça, pas de souci, je rentrerai dans les détails un peu ensemble après pour les définitions. Ensuite, je voulais faire un petit point. Je sais qu'on a eu pas mal de questions de votre part sur le statut de super propriétaire. Donc, j'ai pensé utile de faire une petite diapositive sur ce sujet. Donc, on verra comment devenir super propriétaire et surtout comment le rester. C'est une question qui est assez importante pour vous et pour votre référencement. Et puis après, par la suite, on fera une petite session de questions-réponses. Donc, surtout, comme je vous disais bien, n'hésitez pas à les poser dans le chat sur votre droite et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc, pour les questions qui concernent tout le monde présent ici, on répondra devant tout le monde. Et si vraiment vous avez des questions spécifiques sur votre compte, surtout écrivez-les aussi, il n'y a pas de souci. On prendra le temps de vous rappeler après le webinaire ou de vous envoyer un mail pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, tout début, pour commencer, l'algorithme Click & Boat. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très simple. L'algorithme, c'est une formule en fait, qui va décider de l'ordre dans lequel les annonces du site sont présentées aux clients. L'idée, c'est de pouvoir en fait avoir le meilleur match possible entre les locataires et les propriétaires pour que justement les annonces se fassent plus rapidement, les demandes de réservation soient acceptées et que tout le monde soit content.
Donc, l'algorithme, il fonctionne de plusieurs façons. Il va prendre en considération plusieurs critères pour pouvoir classer vos annonces. Il va y avoir notamment, tout d'abord, le côté locataire, donc les filtres qu'il met sur la plateforme pour réserver. Donc, heureusement, imaginons que Pierre cherche un catamaran en Corse, l'algorithme ne lui proposera pas un semi-riche en Bretagne. Donc ça, c'est un premier point et c'est important. Donc, vous n'êtes pas concerné par ça. On a plusieurs filtres qui sont en jeu. Par contre, vous allez pouvoir agir sur d'autres points que vous pouvez, en fait, vous, de votre côté, travailler pour pouvoir améliorer ce référencement. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Et donc là, le but, c'est que vous puissiez travailler avec l'algorithme et non contre lui pour pouvoir en fait avoir des annonces les plus claires, complètes et attrayantes possibles et que les demandes de réservation que vous trouvez, que vous avez, se convertissent en demandes acceptées. Donc, à titre de petite information, c'est vrai que c'est important pour vous de pouvoir justement bien travailler avec l'algorithme. Il faut savoir que les annonces qui reçoivent le plus de clics et qui sont transformées en réservation acceptée, elles sont en page 1 sur la plateforme. Et ces annonces qui sont en page 1, elles rapportent en moyenne 216% de plus de revenus qu'une annonce qui se trouve en page 3. Donc, pour le même bateau, que vous soyez en page 1 ou en page 3, vous pouvez avoir beaucoup plus de revenus. Donc, ça, c'est très important pour vous de vous retrouver justement dans le top des annonces et sur la page 1. Et le but, c'est qu'on puisse voir ensemble, en fait, comment se retrouver en page 1. Après, il faut savoir que ça, vous pouvez le modifier à tout moment. C'est très simple de pouvoir grimper dans l'algorithme et de se retrouver en page 1. C'est juste quelques comportements à adopter tous les jours pour que ensuite l'algorithme vous calcule et vous récompense en vous mettant sur la première page. Donc, sur cette diapositive, j'ai voulu vous montrer le parcours client, le parcours locataire, en fait, que va adopter le locataire au moment de réserver un bateau. Et donc, vous, en tant que propriétaire, vous avez la possibilité, en fait, d'influencer toutes ces étapes dans le parcours client pour pouvoir améliorer votre référencement. Donc, le parcours locataire, en fait, commence par, nous, ce qu'on appelle chez Click & Boat, le taux de requête. Donc ça, pareil, je rentrerai plus dans les détails après pour vous expliquer un peu à quoi ça correspond, si jamais c'est un peu flou. Mais en quelques mots, le taux de requête, ça va être le fait de pouvoir recevoir des demandes de réservation sur vos annonces. Ensuite, on a ce qu'on appelle le taux d'acceptation. Donc une fois que vous recevez une demande de réservation, l'idée, c'est de pouvoir l'accepter pour avoir un bon taux d'acceptation. Et ça va jouer aussi dans votre référencement. Et ensuite, bien évidemment, on a le taux d'annulation qui correspond aux réservations qui sont déjà acceptées que les propriétaires annulent pour diverses raisons. Donc, tout ça va effectivement arriver à réaliser plus de bénéfices. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse voir comment influencer, vous, en tant que propriétaire, tous ces taux, ces trois taux, et qui feront ensuite que vous ayez justement un meilleur référencement sur la plateforme. Alors, pour commencer, donc le premier point de ce petit entonnoir, donc c'était le taux de requête. Donc, pour vous expliquer un peu plus précisément, le taux de requête, en fait, c'est la différence que vous allez avoir entre les messages que vous recevez et les demandes de réservation qui s'écoulent de ces messages. C'est-à-dire, imaginons que Pierre vous envoie un message par rapport à votre bateau, il va vous poser des questions, donc une conversation est créée. Et à la suite de cette conversation, Pierre va pouvoir vous envoyer une demande de réservation. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le taux de requête. Et donc, plus en fait vous avez de demandes de réservation qui sont converties suite à ces messages, plus vous gagnez en visibilité. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir en fait améliorer son annonce au maximum, puisque plus votre annonce est complète, plus en fait vous aurez rapidement de demandes de réservation parce que Pierre n'aura pas à vous envoyer plein de messages, il aura déjà tout vu avant. Pour avoir un petit chiffre assez sympa, vous verrez tout au long de la présentation, je vous ai mis quelques chiffres pour que ce soit plus parlant. En règle générale, on a découvert que si une annonce a des photos originales, a une belle description, que le propriétaire a inscrit tous ses extras et les règles du bateau, vous avez une augmentation de 56% du nombre de demandes de réservation. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, quand on vous a au téléphone, on insiste un peu sur, justement, bien compléter les annonces. Mais c'est pour vous et c'est pour que vous puissiez recevoir de votre côté plus de demandes. Donc, à ce niveau-là, comment faire, vous, de votre côté, pour améliorer le taux de requête? Donc, il y a plusieurs points qui rentrent en jeu. Notamment, comme je vous disais, le premier point, ça va être de remplir le plus possible votre annonce et de l'améliorer le plus possible. Donc, ça, comment faire? Vous pouvez déjà ajouter des photos. Donc, on a fait quelques sondages et une annonce qui a plus de 10 photos originales, elle a 30% de plus
de chances d'avoir des demandes. Donc, c'est assez important. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est assez sympa d'avoir des photos où on voit le bateau qui est en mer, qui est au port, des photos de l'intérieur du bateau s'il y a besoin et des photos des alentours. Donc, ça, c'est assez important. Ensuite, de même, la description, ça va être quelque chose d'assez important. Si vous remplissez bien votre description, que vous parlez du bateau, que vous parlez, par exemple, de ce qu'il y a à faire dans les alentours, en partant, par exemple, d'Ajaccio, si vous parlez des criques, si vous parlez des autres, des eaux cristallines, etc., vous avez plus 15% de chances de recevoir des demandes, donc très important. Et c'est la même chose pour les équipements, en règle générale, et les propriétaires qui sont présents, qui ont notamment des voiliers ou des catamarans, j'imagine que vous le remarquez. En général, les questions, ça va être est-ce qu'il y a un désalinisateur à bord du catamaran ? Et donc, ça, c'est des questions que vous pouvez vous éviter en remplissant bien votre annonce et qui pourront vous faire gagner du temps, notamment sur les réponses aux messages. Autre point qui rentre en jeu au moment de l'amélioration du taux de requête. Et donc, ça va être aussi très important pour vous. Vous pouvez vraiment influencer tous ces points-là et faire en sorte que vous ayez un meilleur référencement. Donc, vous avez le taux de réponse. Alors, le taux de réponse, pour vous donner une petite explication, c'est le rapport, en fait, de nombre de conversations auxquelles vous répondez par rapport au nombre de conversations que vous recevez. Donc, effectivement, plus vous répondez aux conversations de la part des locataires, plus vous avez de chances d'avoir une demande de réservation. Et plus l'algorithme se rendra compte que vous répondez, plus vous aurez de visibilité. Il faut savoir qu'en moyenne, un locataire, avant de réserver, il va pouvoir envoyer des messages à 6 propriétaires de bateaux. Il ne va pas essayer de se contenter d'envoyer un message à une seule personne. Il veut mettre toutes les chances de son côté pour louer un bateau. Et donc, il envoie des messages à 6 personnes. Évidemment, si Pierre envoie des messages à 6 personnes et qu'il y en a déjà 2 qui ne répondent pas, bah, ces 2 personnes-là n'auront aucune chance de louer leur bateau. Et donc, c'est bien important d'avoir un bon taux de réponse. Ensuite, vous pouvez influencer aussi le temps de réponse. Donc, le temps de réponse, c'est le temps que vous allez mettre à répondre au tout premier message du locataire. Donc, ça, c'est la même chose. Sur les 6 propriétaires de bateaux qui reçoivent un message de Pierre, c'est ceux qui vont répondre le plus rapidement possible, qui vont avoir le plus de chances possible de recevoir une demande de réservation. Il faut savoir qu'un propriétaire qui a plus de 90% de taux de réponse et un temps de réponse inférieur à 24% a beaucoup plus de chances de se retrouver en page 1. L'algorithme verra que vous êtes assidu, que vous prenez le temps de répondre au locataire et donc il va vous récompenser et vous positionner en page 1. Donc, très important. Après, c'est vrai que ça, on voit nous au quotidien que vous mettez beaucoup d'efforts dedans et donc ça, c'est top. Surtout ceux qui êtes présents aujourd'hui, on vous connaît et on sait que ça marche bien. Mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne et c'est ce que vous pouvez justement améliorer tous les jours pour votre référencement. Autre outil qu'on a développé chez Click & Boat et qui fonctionne pas mal pour justement améliorer le taux de requête, c'est les offres personnalisées. Donc, les offres personnalisées, en fait, ça va vous permettre d'envoyer une offre à votre client potentiel que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier certains paramètres, que ce soit les horaires de check-in, de check-out, la date de départ ou encore les prix. Et en fait, on a découvert qu'envoyer une offre personnalisée, ça permet d'augmenter de 25% les chances de réserver de la part du locataire. Même si vous n'avez pas à modifier vos prix, vous pouvez quand même envoyer une offre personnalisée et c'est recommandé parce qu'en fait, l'acte d'envoyer l'offre personnalisée va montrer au locataire que vous êtes investi. Le locataire, il n'aura juste qu'à cliquer sur « Accepter » et ça améliore considérablement les chances en fait, de pouvoir réserver. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce qu'est l'offre personnalisée. Ce que je vais faire plutôt, c'est vous partager mon écran. Comme ça, vous verrez directement en fait comment réaliser une offre personnalisée. Et je pense que ce sera pas mal. Alors, je vous partage tout ça. Donc, j'ai créé, donc vous voyez, Mélissa Soumaoro, c'est mon compte. Et je possède à Ajaccio un beau bateau, un bel océaniste que j'ai nommé Bella Vita. Donc, pour pouvoir répondre en fait à votre locataire et envoyer une demande personnalisée, vous allez dans la catégorie « Messages ». Et donc là, je vois que Pierre Benoît m'a envoyé une demande de location sur mon bateau. Donc, il veut louer mon voilier en juin. Donc, il me dit qu'ils seront 8 personnes, etc. Et donc là, je me dis, j'ai le choix de répondre à Pierre Benoît en lui envoyant un message, mais je sais que je vais pouvoir augmenter mes chances d'avoir une réservation si je lui envoie une offre personnalisée. Donc là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de créer sur le bouton à droite, créer une offre personnalisée.
Et donc là, je vais pouvoir choisir les dates du 13 au 19 juin. Je vais pouvoir rajouter des options si Pierre-Benoît m'a demandé d'ajouter des options. Donc là, ce qui n'est pas le cas. Je vais pouvoir choisir mes conditions d'annulation et je vais pouvoir choisir mon prix. Donc, par exemple, je mets 15 000 euros. Donc, vous avez à gauche le total que le locataire aura à payer et le net, c'est le montant total que vous percevrez, vous, au moment de la location. Donc, vous pouvez remplir soit un carré, soit l'autre. Ça remplira automatiquement de l'autre côté. Donc là, moi, je mets que le total locataire à payer de 15 000 euros et je valide mon offre. Et donc là, automatiquement, une offre personnalisée est envoyée à Pierre-Benoît. Et s'il est d'accord avec cette offre, il aura juste besoin de cliquer sur « Accepter ». Donc évidemment, en fait, le chemin pour lui est beaucoup plus court que de faire une demande de son côté. Donc, c'est assez sympa. Donc, voilà comment faire une offre personnalisée. Je arrête de partager mon écran et je reviens sur la présentation. Voilà. Donc évidemment, là, j'ai fait assez rapidement comment faire l'offre personnalisée si jamais j'ai été trop vite. Parce qu'on me dit souvent que je parle vite. Donc surtout, n'hésitez pas. Si ça a été trop rapide, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à poser vos questions et à l'écrire dans le chat. On reviendra dessus après, sans souci. Ensuite, donc on a vu le premier point de l'entonnoir qui était le taux de requête. Deuxième point sur lequel vous pouvez agir pour améliorer votre référencement sur la plateforme, ça va être le taux d'acceptation. Donc le taux d'acceptation, qu'est-ce que c'est? Ça va être la différence, en fait, le rapport entre les réservations que vous acceptez et les demandes de réservation que vous recevez sur votre compte. Donc là, pareil, il faut savoir que plus vous acceptez de demandes de réservation, plus la visibilité de vos annonces va augmenter. Puisqu'un propriétaire qui accepte 8 réservations sur 10, en fait, aura une meilleure note dans l'algorithme qu'un propriétaire qui n'en accepte que 2 sur 10. C'est normal. Il faut savoir, en termes de chiffres, que, par exemple, les propriétaires qui sont dans les 7 premières places de la page 1, ils ont tous un taux d'acceptation de 100%. Donc ça, pareil, ça va être intéressant pour vous de pouvoir travailler dessus et de savoir que si vous voulez améliorer votre taux d'acceptation, il faut accepter le plus de demandes possibles. Comment influencer votre taux d'acceptation? Donc, il y a 3 points qui rentrent en jeu. Le premier, ça va être la réservation instantanée. Donc ça, je sais que certains propriétaires qui sont présents, je vois les noms, en bénéficient déjà. D'autres n'en bénéficient pas encore. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. En fait, la réservation instantanée, c'est simple. C'est comme sur Airbnb, quand un locataire veut réserver directement et qu'il n'a pas besoin de vous envoyer de message. Donc, on va reprendre le petit exemple de Pierre. Imaginons que Pierre arrive un peu à la dernière minute, il veut un semi-rigide à Ajaccio. Vous verrez, je parle beaucoup de Ajaccio, mais c'est une ville qui marche pas mal en ce moment. J'ai pas mal de demandes et du coup, j'y reviens souvent. Donc, Pierre veut réserver un semi-rigide à Ajaccio. Il sait qu'il a trouvé une annonce, il a flashé sur le bateau, il adore les photos, il adore la description, il est sûr et certain de correspondre aux critères et il n'a pas forcément le temps d'envoyer de message parce qu'il veut la réservation pour bientôt. Si le bateau bénéficie de la réservation instantanée, Pierre aura la possibilité de payer directement et de rentrer directement ses informations de carte bleue. Donc en fait, si le calendrier est disponible, le propriétaire n'a pas à accepter ou à refuser la demande. La réservation s'acceptera automatiquement. Et donc ça, pour vous, ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est moins de travail, ça vous fait moins de messages à répondre. C'est aussi plus d'exposition. Donc il faut savoir que dès que vous avez la réservation instantanée, vous avez un petit émoticône qui s'affiche sur votre annonce. Et donc automatiquement, l'algorithme en fait va le voir et va remonter votre annonce dans le classement. Donc, c'est beaucoup plus d'exposition pour votre annonce. Et c'est aussi plus de réservation. On a noté que posséder la réservation instantanée sur son annonce, ça augmente de 20% les chances de recevoir des demandes de réservation. Parce qu'en fait, c'est plus rapide et en fait, c'est quelque chose dont les locataires sont très friands au moment de réserver, surtout en été. Par exemple, l'été dernier, vous voyez le petit chiffre à l'écran, 63% des clients souhaitaient réserver en fait sans envoyer de message parce qu'ils s'y prenaient un peu à dernière minute et du coup ils cherchaient directement la réservation instantanée. Donc il y a même un filtre sur la plateforme en tant que locataire pour pouvoir chercher uniquement les annonces qui bénéficient de la réservation instantanée. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important et qui est assez sympa pour les propriétaires. Ça, la réservation instantanée, si à la suite de ce webinaire vous souhaitez l'installer, il faut pouvoir contacter votre account manager. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. Donc, vous contactez votre account manager et puis avec lui, vous pourrez voir comment faire, comment l'adapter au mieux à votre annonce pour que ça vous convienne. Après, c'est pareil. Si c'est quelque chose que vous essayez
vous voyez qu'au final, ça ne vous plaît pas forcément, il n'y a pas de souci, on peut le désactiver. C'est vraiment quelque chose, un outil qui est fait pour vous aider à avoir plus de réservations, pour que vous ayez moins de travail. Et ce n'est vraiment pas un inconvénient. Deuxième point qui peut rentrer en jeu au moment d'améliorer votre taux d'acceptation, ça va être la gestion du calendrier. Donc ça, c'est très important. Vous le savez, quand vous mettez à jour votre calendrier, vous ne recevez pas de demande de réservation quand votre bateau n'est pas disponible. Imaginons que je ne mette pas mon calendrier, mais que c'est la fête des mères bientôt en mai. Je sais que j'aurai un repas de famille, je ne serai pas là. Je n'ai pas mis à jour mon calendrier, je vais recevoir des demandes. Je vais devoir les refuser et donc ça baisse mon taux d'acceptation. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc idéalement, là, l'idée, c'est de pouvoir mettre à jour le calendrier. Vous avez deux façons pour le faire. Soit vous le faites manuellement de votre côté depuis votre compte, soit vous contactez votre account manager qui pourra vous aider. Je vais vous repartager mon écran. Je pense que ce sera mieux pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas encore comment mettre à jour manuellement. Au moins, vous aurez directement l'idée de comment ça marche. Alors, je vais retourner sur ma petite annonce. Donc ça, mon Bella Vita. Donc, vous allez ici, donc vous avez votre annonce, vous cliquez sur calendrier. Et donc, pour rajouter une indisponibilité, vous avez juste à cliquer sur le petit onglet du. Vous choisissez, imaginons, moi je ne suis pas disponible du 4 mai au 6 mai. Je choisis mon motif, indisponible, panne ou hivernage. Donc là, je ne suis pas disponible et j'ajoute sur ajouter. Vous voyez que automatiquement l'indisponibilité s'inscrit sur votre écran. Donc ça veut dire que votre calendrier est bloqué et que vous ne pouvez pas recevoir de demande à ce moment-là. Et donc forcément, vous améliorerez votre taux d'acceptation. On revient sur la diapositive. Alors, le dernier point que vous pouvez utiliser pour améliorer votre taux d'acceptation, c'est l'app mobile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal. Il faut savoir que 80% des utilisateurs de Click & Boat passent par l'application. Donc c'est quelque chose qui est pratique, c'est une application qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger directement sur le téléphone et ça vous permettra de façon beaucoup plus rapide de notamment mettre à jour vos calendriers, de notamment pouvoir répondre aux messages et de voir les demandes de réservation que vous recevez. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir l'avoir, je pense, sur votre téléphone si vous voulez avoir un bon taux d'acceptation. Vous avez souvent des mises à jour qui sont effectuées, notamment il y en a une qui a été faite il y a quelques semaines. Donc n'hésitez pas à mettre à jour l'application pour que ce soit mieux. Très bien. Dernier point du coup de cet entonnoir qu'on a vu au début, donc le taux d'annulation, qui est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Donc, le taux d'annulation, pour plus de renseignements, en fait, c'est le rapport entre les réservations qui sont annulées par vous en tant que propriétaire et les réservations qui avaient déjà été acceptées. C'est-à-dire que, je reprends mon petit exemple de Pierre. Si Pierre vous a fait une demande de réservation, vous l'avez acceptée. Imaginons que pour X ou Y raison, vous vouliez l'annuler. Donc là, en fait, votre taux d'annulation sera impacté et vous aurez un taux d'annulation qui va augmenter. Idéalement, un bon taux d'annulation, c'est un taux d'annulation qui est inférieur à 20%. Et il faut savoir que plus les réservations sont annulées, plus les annonces perdent en visibilité. Parce que l'algorithme, en fait, va comprendre que vous annulez des réservations et effectivement, il ne va pas vouloir mettre en première page une annonce qui, par exemple, a 8 réservations annulées sur 10 par rapport à une annonce qui n'en a que 2. Donc ça va être bien important aussi de pouvoir gérer ce taux d'annulation. Après, par exemple, imaginons que, donc c'est normal, on a tous des empêchements et on peut comprendre que vous ayez besoin d'annuler vos réservations, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres façons en fait que vous pouvez mettre en place au lieu d'annuler la réservation. Vous pouvez par exemple modifier la date. Et donc ça, on vous enverra après la diapositive, vous aurez justement les adresses mail de contact. Mais on a un service, nous, de relations clients qui existe, que vous pouvez contacter pour notamment modifier la date d'un contrat, modifier, je ne sais pas, si vous avez deux bateaux et vous voulez changer de bateau, vous pouvez modifier le montant. Donc, il y a plein de façons de faire à la place d'annuler. Vous pouvez vraiment tout modifier. Pareil, on a un système qui est mis en place et qui fonctionne assez bien. Si, par exemple, vous savez que vous êtes... je ne sais pas, vous êtes malade ou votre bateau est en panne et le sera pendant un an. Votre locataire vous dit qu'il vient dans votre destination tous les ans. Vous avez la possibilité de mettre en place un avoir avec votre locataire qui fait que ça vous évite d'annuler votre demande de réservation. Voilà, donc là, on a vu tous les points que vous pouvez justement toucher et améliorer pour pouvoir améliorer votre référencement sur la plateforme. Donc, je me répète, mais surtout, n'hésitez pas avec vos questions, on y répondra juste après. Maintenant,
Une diapositive qui va sûrement intéresser plus d'un, c'est le critère de superpropriétaire. Donc, le critère de superpropriétaire, c'est un badge qui est donné par l'algorithme pour récompenser en fait les locataires qui font justement des efforts, qui améliorent justement tous leurs critères. Donc, pour être superpropriétaire, et c'est quelque chose qui est assez sympa pour vous en tant que propriétaire, ça va vous permettre d'avoir un petit badge. Donc, les locataires peuvent filtrer les annonces en fonction de celles qui ont le badge du superpropriétaire. Ça vous fait remonter automatiquement dans le classement. Il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu pour pouvoir avoir ce badge. Notamment, vous devez avoir un taux de réponse qui soit supérieur ou égal à 85%. Votre temps de réponse doit être inférieur à 24 heures. Il faut que vous ayez au minimum 5 réservations acceptées, que de ces 5 réservations acceptées, vous ayez obtenu 3 commentaires, que vous ayez un taux d'annulation inférieur à 20% et une note de 4,5 étoiles au minimum sur votre compte. Donc ça, c'est les critères qui sont à rentrer en compte. Après, il faut savoir que, à titre d'information, on est en train de revoir ces critères. Donc, ils sont amenés à évoluer. Donc, pour l'instant, vous pouvez garder ces critères-là en compte et on vous fera, nous, signe une fois que les changements sont mis en place pour que vous puissiez prendre en compte les nouveaux critères. Donc, avoir ce statut de superpropriétaire, c'est assez important. Ça peut augmenter de 15% vos chances d'avoir des demandes de réservation. Donc, je vous conseille, et si vous le pouvez, de bien respecter ces critères. Comme ça, après, vous êtes sûr d'avoir ce badge. C'est vraiment un gage de qualité et les locataires en sont très friands. Donc, pour avoir plus de réservations, avoir le statut de superpropriétaire, c'est top. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, une petite diapositive pour résumer un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a vu ce qu'était l'algorithme Click & Bot. Le fait que travailler avec l'algorithme et non contre lui, c'est important pour votre référencement. Donc, pour rappel, les 3 points sur lesquels vous pouvez travailler pour améliorer votre taux de votre référencement. Donc, vous avez le taux de requête. Donc, le taux de requête, c'est les conversations qui sont transformées en demande de réservation. Donc là, on a dit que plus vous améliorez vos annonces, plus, en gros, vous aurez un taux de requête important et donc plus de visibilité. Ensuite, vous avez le taux d'acceptation. Donc, plus vous acceptez les demandes de réservation que vous recevez, plus votre taux d'acceptation augmentera et donc votre visibilité. Et ensuite, le taux d'annulation, donc qui est le pourcentage de réservations annulées que vous avez par rapport aux réservations qui étaient acceptées. Et donc ça, on a vu que plus ce taux-là était faible, plus vous avez de chances de gagner en visibilité. Donc, j'espère avoir été claire pendant ce webinaire. En tout cas, surtout, n'hésitez pas. Je vais laisser la main à mes collègues qui sont présents avec nous aujourd'hui pour qu'ils puissent répondre aux questions. Je sais qu'on en a reçu pas mal de ce que je vois. Donc, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes ces questions. On va faire le maximum. En tout cas, il nous reste du temps. Donc, surtout, n'hésitez pas et on va essayer de répondre à toutes vos questions. Donc, je laisse la parole à mes collègues qui prendront soin de toutes vos questions. Alors tout d'abord, merci beaucoup Mélissa pour cette présentation. Il y avait pas mal d'éléments et ça a généré pas mal de questions de votre part. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'on a aussi reçu des questions en amont de ce webinaire pour les personnes qui ne pouvaient pas participer. Donc, on va aussi les prendre en compte dans nos réponses. On va essayer de répondre à toutes les questions, même si bien sûr, ce sera impossible dans ce webinaire. Sachez que pour les questions un peu plus personnelles ou sur des sujets plus spécifiques qui concernent moins de propriétaires, on vous recontactera. Je pense par exemple à Yves-Marie que j'ai vu de appeler à l'aide pour le département du Var. Ne vous inquiétez pas. Je me ferai un plaisir de vous recontacter et ce sera le cas pour chacun de vos account managers dédiés chez Click & Bot, donc vous ne serez pas oubliés et comptez sur nous. Je vais donc passer la main à Pierre Benoît pour la première question et puis je prendrai la suite. Alors, pardon, bonjour à tous. Alors, merci encore une fois. Donc, on avait une première question que j'avais vue donc, concernant Marc, concernant du coup les différents ports. Certains ports, du coup, refusaient l'activité de location. Est-ce que c'était légal ou non pour Click & Bot? Alors, effectivement, nous, par cette loi, notamment Annecy, dans le sens où, effectivement, il y a des lois qui sont mises et qui... Comment dire, qui sont mises en place et qui font que certains ports sont restreints d'accès pour les propriétaires qui sont particuliers et donc par rapport à
ça. Nous, c'est vrai qu'on doit du coup répondre à ces lois et en ce sens limiter du coup l'allocation de bateaux dans ces zones. Et du coup, là, je vais passer la parole à Océane sur du coup des questions en ce qui concerne la co-navigation et elle va vous répondre assez rapidement là-dessus. Oui, alors c'est un sacré sujet, la co-navigation et la navigation avec capitaine et skipper professionnel. Donc, c'est peut-être un petit peu flou pour tout le monde. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous avez dû constater qu'on a fait des mises à jour sur notre application et notamment sur la partie skipper capitaine. Donc, pour qu'on soit bien clair, vous pouvez emmener des personnes quand vous êtes titulaire de votre permis de bateau sur votre bateau et c'est ce qu'on appelle de la co-navigation. Donc là, on est sur du partage de frais et le fait de proposer votre service en étant capitaine à bord, vous ne pouvez pas proposer un service payant. En revanche, quand vous êtes professionnel ou que vous faites appel à un skipper professionnel, là, on peut facturer ce service supplémentaire parce que vous faites appel à un professionnel. Donc, attention à ça. De toute façon, au niveau des questions qu'on retrouve, vous avez des réponses notamment sur les sites du gouvernement, sur la navigation. Et ces éléments-là, on est là pour vous répondre, pour modifier si besoin les annonces, si elles sont pas correctes, si vous proposez avec ou sans capitaine. Mais sachez que co-navigation, on est sur du partage de frais, comme le disait très bien, je crois que c'était Stéphanie, du partage de frais, donc un peu comme Blablacar. En revanche, quand on est avec un skipper professionnel, là, on se parle de quelqu'un de qualifié avec les diplômes requis. Et sachez que nous, on vérifie les nouvelles annonces et notamment les nouveaux propriétaires sur Click & Boat en leur demandant également leur diplôme si jamais ils se disent skipper professionnel. Donc sachez que nous, on compte faire de la location, mais dans les clous. Très bien, très bien. Également, du coup, il y avait d'autres questions concernant du coup donc la partie plutôt donc fiscale, notamment sur les impôts. En effet, donc j'ai recensé pas mal de questions, notamment de Patrick, Gilles, Marc ou encore Michel quant à ça. Donc bien entendu, on reviendra là-dessus plus en détail et au cas par cas. Néanmoins, effectivement, il y avait une question qui concernait donc du coup, je vois une nouvelle ligne de frais de service et taxes. Vous pouvez avons-nous du coup des frais en plus des commissions et quel est le pourcentage? Alors du coup, pour chaque propriétaire, la commission que nous prenons est-elle de 20%? Les différentes lignes de frais et taxes, celles-ci, bien entendu, sont inculquées pour les locataires et pas pour les propriétaires directement. En ce sens, elles ne vous impactent pas directement. En ce qui concerne la déclaration en tant que telle pour la partie un peu d'imposition, alors effectivement, les montants sont déclaré en brut, même si vous les percevez en net. Néanmoins, dans toute déclaration d'impôt, donc qu'on souhaite du coup, donc là, effectivement, on est sur de l'allocation, mais si vous prenez ne serait-ce que par exemple votre déclaration d'impôt sur le revenu, donc tout se calcule sur du brut. Donc on est sur une base qui est brute, et donc nous, on applique les montants bruts pour toutes les déclarations. En parallèle, du coup, il y avait d'autres questions qui étaient sur l'instant booking et les offres spécialisées, du coup, qui n'étaient pas très claires pour certains. Donc, je vais laisser la parole à Océane là-dessus. Elle va pouvoir vous répondre assez rapidement. Oui, alors merci Pierre-Benoît et puis merci aussi pour ces explications sur les impôts. Ça me rappelle qu'il faut que je déclare les miens. Donc, ça fait un petit rappel pour tout le monde à cette période de l'année. Alors oui, donc l'offre personnalisée, l'offre spéciale, Mélissa l'a pas mal évoqué. S'il y a besoin qu'on repasse sur un slide, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Mais je reviendrai notamment sur le point de, très bien, je fais une offre personnalisée, j'attends le retour du locataire, je l'ai pas, ça me bloque de potentielles autres réservations parce que ça bloque mon calendrier. Sachez que sur l'offre personnalisée, vous avez la possibilité de limiter la date de cette offre. Donc de dire, très bien, moi je vous fais cette offre, par contre dans 4 jours, j'ai besoin de savoir si c'est oui ou non parce que je veux pouvoir libérer mon bateau pour de potentielles réservations, notamment sur des réservations qui ont lieu en juillet ou en août où ça part très vite. En revanche, si on est assez tôt dans la saison et qu'on se dit, bon, très bien, c'est la première réservation de l'année, vous pouvez me donner la réponse jusqu'à 10 jours. Mais à partir du moment où votre offre personnalisée, elle se termine, je ne sais pas, admettons, le 30 avril, si le locataire n'a pas fait la demande, votre bateau se relibère à ce moment-là. Et vous pouvez du coup profiter d'autres locations, d'autres potentiels locataires. Pierre-Benoît, est-ce que tu veux reprendre la main ou est-ce que tu veux que j'enchaîne sur la réservation instantanée? Tu peux enchaîner sur la réservation instantanée, je prendrai la main juste après. Très bien. Alors, donc, la réservation instantanée, ou nous, comme on l'appelle, l'instant booking. Alors,
Concrètement, pour ceux qui utilisent des applications comme Airbnb, je pense que vous voyez très bien à quoi on fait référence, puisqu'on a exactement le même modèle. En revanche, je vous entends, on ne loue pas un appartement comme on loue un bateau. À savoir que déjà, cette réservation instantanée, tous les propriétaires ne peuvent pas en bénéficier. Donc, c'est vraiment un avantage qui doit à la fois servir le locataire et le propriétaire. Au niveau des réservations instantanées, c'est quelque chose qui peut être conseillé notamment aujourd'hui avec les locataires qui réservent de plus en plus tard. Cependant, l'idée, ce n'est pas de se retrouver le jour de la location avec un locataire qui n'a pas son permis bateau et en effet devoir annuler la réservation ou bien refuser que le locataire monte sur le bateau et que derrière, bah, on perde son référencement. Sachez que sur la réservation instantanée, nous avons enregistré des demandes qui étaient plus qualifiées pour plusieurs raisons. Le locataire paye directement sur la plateforme, donc est déjà sûr de vouloir louer votre bateau et il ne peut pas faire plusieurs réservations instantanées sur 10 bateaux différents. Donc déjà, vous convertirez un peu plus vite vos réservations et vous pourrez vous assurer, ça répond à une autre question qu'on a eue d'un locataire, d'une demande qui ne sera pas demandée sur plusieurs propriétaires. Donc on a cet élément-là. Bien évidemment, tous les locataires ne lisent pas jusqu'au bout les descriptions. C'est pour ça qu'elles ne doivent pas être non plus trop longues, un juste milieu correct, entre 150 et 180 mots. C'est plutôt quelque chose d'assez standard. Sachez que, je vous donne un exemple très concret, comme vous me l'avez demandé dans le chat, quelqu'un qui a un chien avec lui ne fera pas une réservation instantanée, à moins que ce soit précisé dans l'annonce que vous acceptez les chiens. Donc, sachez que déjà, les locataires qui font la demande instantanée, qui l'acceptent, ont bien lu jusqu'au bout les critères. Car si vous demandez un permis et que le jour J, le locataire ne peut pas vous prouver qu'il a le permis bateau, dans ce cas, vous n'êtes pas en tort. Voilà. PB, je te redonne la main. Oh oui. Oui, merci Pierre-Benoît. Alors j'ai vu passer Gilles dans les messages qui parlait justement des CV nautiques des locataires qui sont suffisamment remplis. Alors vous inquiétez pas Gilles, c'est quelque chose qui est en train d'être amélioré. Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les locataires en fait peuvent choisir de dire « je veux louer votre bateau avec capitaine, sans capitaine ou avec ou sans capitaine ». Et donc pour les locations qui seront sans capitaine, maintenant les locataires auront obligation de remplir leur CV nautique dans les tailles pour que vous receviez toutes les informations. Donc c'est actuellement en cours de développement, ça a commencé à être amélioré et puis il y aura des améliorations encore qui vont venir dans les prochains jours. Donc c'était pour répondre à votre question Gilles. Merci. Bah, du coup, dans la continuité de ce que disait Mélissa et suite à la question de Gilles, je vais répondre à une question qui avait été posée par Berthe, et ce qui concernait du coup donc une évolution à venir sur le sujet dans le compte des propriétaires. Et effectivement, donc c'est toujours un sujet en cours. Donc il y aura sûrement une évolution qui sera amenée à être donnée. Néanmoins, j'ai pas encore de date à vous communiquer. Enfin, cependant, dès lorsque ça sera mis en place, j'hésiterai pas à vous le dire. On a également une autre question, et donc là, c'est Océane qui va prendre le relais rapidement. Merci Pierre-Benoît. Du coup, alors, je vais retrouver ma petite question. Donnez-moi juste 5 minutes. Alors, donc, au niveau... qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Au niveau des réservations instantanées. Ah, mais je vois Jean-Luc, qui est justement un propriétaire que je connais très bien. Bonjour Jean-Luc, qui demande justement pour les voiliers catamarans, comment faire puisqu'il n'y a pas besoin de permis pour les louer. Donc effectivement, là, ça va être justement l'intérêt de la messagerie Click & Boat. Donc, dès que vous recevez une conversation de la part d'un locataire qui est intéressé par votre voilier ou votre catamaran ou une demande de réservation, vous avez la possibilité justement de poser des questions et de demander le CV nautique. Après, pour justement les voiliers ou les catamarans, je pense que vous êtes au courant, on a un service de collègues à nous qui s'appelle le service des sales, qui est en relation directement avec les locataires. Et donc, pour les réservations d'un montant assez important, donc ce qui se passe pour les voiliers ou les catamarans notamment, en fait, on a une personne qui est en contact directement avec les locataires
et qui peut faire le biais en fait entre le locataire et vous en tant que professionnel pour pouvoir justement vous aider à avoir les demandes les plus qualifiées, à répondre aux questions, etc. Mais en tout cas, vous avez la messagerie qui est tout à fait disponible pour poser vos questions. J'espère avoir répondu à votre question et sinon, n'hésitez pas à me rappeler après le webinaire et puis on verra ça ensemble. Alors, moi, je reprends rapidement la main, du coup, sur la zone de Paris-Île-de-France que je gère aussi chez Click & Boat. Alors, peut-être que dans le chat, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais on en a eu beaucoup en amont du webinaire. Et c'est un sujet sur 2022. Déjà, Bernard, merci pour ta question et j'espère que tu vas bien depuis le Nautique à Paris où on s'est rencontrés. Sache qu'en effet, aujourd'hui, nous n'avons pas encore le créneau développé à l'heure, mais nos équipes techniques sont vraiment dessus et ça va sortir très 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 bientôt et j'ai très hâte de passer un coup de téléphone à tous les propriétaires de Paris pour pouvoir mettre en place cette nouvelle fonctionnalité. Donc ça arrive. Et de mon côté, je voulais évoquer également un point se placer du coup de votre côté dans le sens où pas mal de retours en ce qui concernait le fait que vous passiez beaucoup de temps à vous répéter auprès des clients ou même du coup comment vous faire vous gagner vous faire gagner de l'énergie. Alors là-dessus, nous on y travaille bien entendu. Alors de côté, ce qu'on a donc c'est qu'on met en place du coup une meilleure qualification des leads. Donc de ce côté-là, on va réfléchir nous de notre côté à vous proposer donc des nouvelles fonctionnalités qui pourraient vous faire gagner du temps et donc faire en sorte que lorsque vous recevez des demandes de location, elles soient du coup le plus qualifiées possible. Merci. Alors, on avait aussi pas mal de questions sur, voilà, je suis un nouveau propriétaire particulier. Je sais qu'il y en a parmi vous dans le chat qui sont là aujourd'hui, donc des propriétaires qui sont arrivés sur la plateforme tout récemment. Donc là, ils vont avoir beaucoup de clés pour pouvoir faire monter leur référencement. Cependant, il n'y a pas forcément de réservation déjà effectuée sur le site. Donc, quels sont un peu les tips pour pouvoir faire en sorte que votre bateau soit loué rapidement? Alors, tout d'abord, c'est déjà une annonce déjà bien précise, bien optimisée. Donc, le plus de détails possible, que tout soit bien rempli. Vous avez une jauge lorsque vous créez votre annonce du taux de pourcentage de remplissage de l'annonce. Donc, faites en sorte que ce soit bien à 100%, que tout soit clair et que vous ayez le moins de questions possibles qui puissent entraver une potentielle location. Donc ça, c'est un premier point. On l'oublie souvent, mais le calendrier, nos propriétaires aguerris savent très bien qu'un calendrier pas à jour peut coûter cher. Sachez que du coup, il faut bien évidemment mettre le calendrier à jour parce que lorsque vous créez une annonce en février, le bateau n'est pas forcément disponible dans les deux jours qui suivent. Il y a aussi quelque chose qui marche très très bien et vous avez la possibilité de le faire une fois par annonce, donc par bateau, de proposer une première promotion de réservation, ce qui va permettre de vous préfiltrer. Donc là, je réponds à une deuxième question. Les locataires peuvent-ils filtrer déjà par propriétaire professionnel, particulier, avec promotion? Oui. Donc déjà, vous avez des personnes, quand elles font des recherches pour des vacances, elles cherchent par promotion. Et donc là, forcément, vous êtes dans le haut du panier. Donc ça, ce sont des éléments. Le calendrier, le fait que votre, comme le disait Pierre-Benoît, que votre annonce soit bien précise et l'ajout de promotion temporaire sont des éléments qui vont générer rapidement de la visibilité et derrière des réservations. Merci Céane pour ta réponse. J'ai aussi vu une question de Julien qui demandait si la réponse au message a en fait amélioré le taux de réactivité, le fait de répondre rapidement. Effectivement, Julien, plus en fait vous répondez rapidement au message, plus l'algorithme comprend que vous êtes assidu sur la plateforme et vous récompensera en vous faisant gagner de la visibilité. Donc effectivement, c'est important de pouvoir répondre rapidement et de pouvoir justement améliorer ce taux-là. J'espère que vous m'entendez. Donc j'ai vu une remarque concernant mon micro, donc j'espère que là c'est bien mieux. J'avais également recensé une question de Nicolas concernant si nous on à date il était possible donc de faire des locations à la cabine ou même d'après ce que j'avais vu dans le feed des questions. Alors pour l'instant chez nous la location à l'heure n'est pas encore possible, donc ça sera sûrement un développement qui sera fait dans les temps à venir, mais à date c'est pas encore ce sera pas encore prêt et
pas pour cette saison. Néanmoins, du coup, voilà, donc nous on priorise donc la location à la demi-journée, à la journée ou à la semaine, en fonction du coup bah, des bateaux. Et c'est ce qui est possible. Donc là, à la cabine, ce n'est pas, enfin comment dire, ce n'est pas un filtre qu'on peut directement avoir comme feature sur le site. Néanmoins, si la description est bien faite, c'est quelque chose que vous pouvez agencer afin de prévenir directement les locataires. Merci Pierre-Benoît pour ta réponse. Merci surtout à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui pour aider nos propriétaires à mieux comprendre la plateforme. Donc j'ai vu qu'on a reçu beaucoup de questions. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas eu encore de réponse. Sachez qu'on a tout noté et qu'on reviendra vers vous dans les plus brefs délais avec une réponse soit par téléphone, soit par mail. J'ai vu passer dans les commentaires quelqu'un qui demandait comment fait-on pour savoir qui est son account manager. Sachez que vous recevrez bientôt un mail avec justement toutes les coordonnées de votre account manager. Donc comme ça, vous saurez si vous avez Océane, Pierre-Benoît ou d'autres personnes de notre équipe. On n'est pas que tous les trois à vous aider. Donc, vous aurez tout ça par mail. Donc, pour finaliser, sachez que le but de ce webinaire, c'était de vous aider, mais c'est aussi qu'on puisse rester connecté après. Vous donc pouvez contacter votre account manager dès que vous avez besoin de conseils, que ce soit sur l'amélioration de votre annonce, sur une demande de réservation. Si par exemple, vous voulez discuter un peu plus dans les détails de tous les points qu'on a vus aujourd'hui et si vous voulez des infos sur comment améliorer votre taux de référencement, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse le faire. Vous avez également une petite FAQ qui est disponible sur la plateforme que vous pouvez consulter à tout moment, ainsi que les termes et conditions. Ça pourra vous apporter quelques réponses à des questions. On a aussi un groupe Facebook si vous voulez être justement connecté à plein de propriétaires différents dans le monde entier. Vous pouvez y aller et taper Click and Boat sur Facebook et vous trouverez plein de réponses à vos questions. Et puis, je vous laisse aussi avec le mail contact@clickandboat.com qui est le mail de la relation client que vous connaissez également et qui est disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc écoutez, je vous dis merci à tous d'avoir été nombreux à participer. Ça a été un plaisir de pouvoir vous présenter ça et de discuter avec vous. Je laisse la parole à mes collègues pour qu'ils puissent vous dire au revoir. Et puis je vous dis à très bientôt par téléphone. Merci. Bah, je me joins à ma collègue Mélissa pour vous remercier pour ce webinaire. Sans répéter ce qu'elle disait, on vous recontactera pour les autres questions. Sachez qu'aujourd'hui, l'équipe se renforce et on essaye d'être de plus en plus proche de nos propriétaires. Et voilà, donc on a hâte de faire la saison avec vous qui a déjà commencé. Et n'hésitez pas, on est là pour ça. Et le petit mot de la fin, donc encore une fois, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour ce webinaire. J'espère que ça aura pu vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme. Et nous, de notre côté, bah voilà, on va vous faire suivre toute la documentation qu'il y avait aujourd'hui. Et par ailleurs, pour toutes les réponses qui nous ont été posées, bah, on répondra en amont du coup aux propriétaires. Et n'hésitez pas à contacter chacun de nous pour qu'on puisse répondre à vos demandes. Donc encore merci pour tout. Merci à tous les deux. Et surtout, ne vous en faites pas, on vous envoie le replay de la présentation juste après. Passez une belle après-midi et bon appétit surtout. Au revoir.